côté premier ministre gouvernement de facto Joseph Jout installé et dans primature nouveau conseil modernisation entreprise publique yo c'est même qui ça pral privatiser président Jovenel Moïse nan yon arrêté qui sorti nan date jodi an nan journal officiel le moniteur nan men nouveau conseil ça qui gen en tête li premier ministre Joseph Jout comme président et ancien président conseil électoral provisoire 2015 qui était obligé démissionner en bas accusation t'a pral gen élection grand soude t'a organisé monsieur Pierre Louis Opon membre madame Ludmia Toussaint membre monsieur Mosler Georges qui était responsable tout et administration dans conseil électoral la membre madame Cécile Tamara Georges De Castro membre d'après document officiel qui fait nomination chef gouvernement de facto qui c'est seul monde qui te prend la parole dans cérémonie ça rappelé après 24 l'année c'est même planté créé sous gouvernement préval institution doit remplir mission comme ça doit mais c'est qui ça qui mission et peut-être ça lui fait connaître l'attente en pile dans main nouveau membre conseil CMEP yo n'a cité pour lever défi qui attend yo n'a attendé premier ministre Joseph Jout dans intervention le faire. La modernisation des entreprises publiques devenait partie intégrante du programme global des réformes visant à moderniser l'État, à promouvoir une allocation optimale des ressources dans l'économie, à favoriser l'esprit d'entreprise, à stimuler la production et la croissance économique durable. Ce qui est encore aujourd'hui d'actualité et c'est un impératif pour l'État. Qu'en est-il donc après 24 ans de création du CMEP? Mesdames, Messieurs, à cette question cruciale et incontournable, exige de prendre le temps d'un bilan exhaustif. Sinon, on va continuer à perpétuer le cycle d'échecs et de pauvreté. On ne peut pas continuer à voiler la face et à exercer des fonctions paisiblement sans en tirer les conséquences des manquements, des défaillances et de l'impératif de correction qui s'impose à nous. Car la crise perdure avec la grave conséquence que la société se trouve plongée dans l'incapacité à adresser les problèmes et apporter les solutions aux besoins de plus en plus pressants de la population haïtienne. C'est une situation qui interpelle chacun et le place devant ses responsabilités. Une question se pose à savoir si le CMEP a pu s'assurer de l'application de la loi au regard notamment de ses attributions subventionnées. La société est donc quasiment unanime à admettre un échec du CMEP. À tort ou à raison, pour étayer une telle assertion et d'impact de décision antérieure, elle devra permettre de prendre les dispositions nécessaires pour apporter les corrections nécessaires encore et d'adapter aux nécessités qu'exigent les besoins sociaux et économiques. Comme rappelé plus haut, cet exercice est incontournable si nous voulons effectivement parvenir à l'atteinte des objectifs de développement économique et social du pays. Mesdames, Messieurs les membres du CMEP, chers collègues, le CMEP, avec ce nouveau conseil et conformément aux priorités du président de la République et aux grandes lignes de politique de mon gouvernement, dont l'un des axes est la reprise économique, se doit de remplir sa mission selon les prescriptions de la loi du 26 septembre 1996. Nous devons être capables d'assumer les attributions que la loi nous confère et de garantir l'atteinte des objectifs pour lesquels le CMEP a été institué en tant qu'outil de mise en œuvre d'une politique. Je ne fais donc qu'effleurer la situation de l'organisme et les responsabilités importantes
qui sont les nôtres aujourd'hui. Il va falloir nous dépasser et accepter les sacrifices que requiert notre fonction de membre du Conseil de modernisation des entreprises publiques. Mettons-nous à la tâche, soyons dignes et méritants, relevons ensemble et courageusement les défis qui sont les nôtres dans le cadre du CEMEP. La République d'Haïti attend beaucoup de vous. Je vous souhaite du succès et du courage. Bon travail. Voilà, c'est l'installation, ça, CEMEP, qui est installé journée jeudi. D'après déclaration Premier ministre, non, il y a un travail qui peut faire toujours. Alors que tu quoi, presque toute institution publique, entreprise l'État, tu fin privatisé. Toujours dans la rencontre qui a gagné avec la presse, il faut nous dire, après le fin salambé en public, directeur général police, dans soi-disant rencontre communautaire qui t'a fait dans le palais. Et chef gouvernement de facto, Joseph Jout, dit saluer le travail, même la police, a fait journée jeudi, dans le cadre d'opération qui est le Terminator 1, pour faire face à Bandi. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas démenti dans les faits, accusation, opposition, fait contre lui, qui montrait qu'il confie l'eau à Bandi, même accusation, ça tout, dans le rapport plusieurs organisations qui défendent le droit porter des étayer avec des preuves qui montrent objectivement c'est pour gouvernement y a travail gouvernement pas jamais démontrer ça mais je ne jodi à Premier ministre non faire connait comme quoi gon bataille cap mener contre bandi cap semer la trouble dans pays donc on des actes faire terrible assassiner petit bébé assassiner femme enceinte et assassiner grand monde et numéro 1 primature estimé policier yo déjà commencé selon lui-même arrêter bandi pendant l'annoncer la continuer travail là pour améliorer conditions travail et policier c'est concernant des populations accompagner policier yo dans ride dans ba information dans pas tirer bandi pour permettre la police de croiper zak criminel yo a fait dans pays là n'attendez toujours monsieur Jout dans rencontre avec la presse côté Hervé Noël était présent pour Radio Kiskeya. Je terminerai mes propos en remerciant la police nationale pour tous les efforts mis en œuvre dans le cadre de l'opération Terminator qui commence à porter fruit et tout le monde unanime à ouais que la police a travaillé. Je vous donne un gros coup de chapeau à tous les policiers et toutes les policières pour le travail qu'ils ont fait. Il y a un bandit qui est quelqu'un qui a le bois chat. Merci, bon Dieu. Moi-même, bon côté, je travaille pour m'améliorer les conditions de travail policière. Nous demandons des populations pour ne pas s'y tirer bandit, bon côté. Au contraire, il faut nous longer de sous yo. Vous êtes photos de la police. Cachez faire photos, vous êtes la police. Pas s'y tirer bandit dans l'environnement. Parce que petit nous tous, à tourner bandit parce que dans la vie, sans fréquenter, c'est lui. Merci en bien. Voilà, c'est déclaration pour le ministre, fait dans primature, dans bicentenaire, et jeudi, et côté tout, dans point de presse, il était abordé l'autre question, donc enquête, il dit que y a une série d'instances dans l'État mené sous profit, il y a une série de pétroliers, il dit monde qui a importé pétrole, et Premier ministre, gouvernement de facto a présenté, jeudi à la primature, résumé rapport sur enquête qui gagne à ouais avec importation de produits pétroliers dans le pays. Il fait une différence entre importateur pétrole et distributeur de produits pétroliers, pas mélangé. Et monsieur Jout fait connaître, sorti mois de mars 2019, arrivé mois de mai 2020. Compagnie qui a voyé acheter gaz pour venir vendre en Haïti fait gros bénéfice. Jean Palais a dépassé limite qui arrivait jusqu'à 94 millions de dollars américains sous 7 millions de gallons de gasoline et diesel. Et Jout déclaré avant l'État a décidé libéraliser marché d'après ça le fait qu'on est. Et donc comme quoi marché était dans mon groupe monde et l'État prend ni l'ouvrir. C'est ça le t'a fait. Et compagnie ça a fait un bénéfice 39 millions
alors que pendant libéralisation, il a fait 71 millions de dollars. Donc, il y a un problème dans la situation. Ça, la cause, l'État a perdu 113 milliards de gourdes pendant 10 dernières années qui sont passées là, d'après sa premier ministre déclaré. Entre mars 2019 et mai 2020, période correspondant à la période de libération du marché des produits pétroliers, les compagnies pétrolières ont réalisé des bénéfices induits de l'ordre de 94 millions de dollars américains sur un total de plus de 7 millions de gallons de gasoline et de diesel. Ceci s'explique non seulement par le différentiel entre les indices Platts utilisés comme référence à l'achat par les compagnies pétrolières et l'indice Caribbean Posting utilisé par ces dernières pour facturer l'État haïtien, mais surtout par l'opacité des premiums proposés par les compagnies. Mars 2019, cette période où l'État assurait l'importation des produits pétroliers, du moins des produits pétroliers à travers le BMPAD, mai 2019, mai 2020, est la période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien à la demande des compagnies pétrolières. Ceci dit, les gains des compagnies pétrolières sont passés de 39 millions de dollars avant la libéralisation à 71 millions de dollars pendant la libéralisation, soit une augmentation de 82%. Pendant que les compagnies pétrolières prospéraient sans se soucier du bien-être collectif, l'État, quant à lui, continuait à accumuler les manques à gagner. Sur les 10 dernières années, le manque à gagner de l'État culmine à plus de 113 milliards de gourdes. Nous avons dit « saute qui baille, imbécile qui pas prend ». L'État est toujours là, mais il y a ce business qui a fait, il n'y a pas à le fourrer, mais n'empoche personne, n'empoche l'État. L'État est absent, le fermé Gilles, il a dormi sous l'État. M'a profité, voyons un gros coup de chapeau pour le président Jovenel Moïse, malgré tout sillade, tout zoclo lapin, qui choisit ouvert Gilles comme l'État pour le freiner et m'agir. Cependant, il importe de souligner que le maximum local sur la période, soit plus de 39 milliards de gourdes, a été atteint au cours de la période de libéralisation entre mars 2019 et mai 2020. Ces 39 milliards de gourdes représentent en moyenne 46 fois les dépenses en agriculture. N'a pas compris pour qui ça agriculture va représenter rien encore dans le pays et que n'a commandé même cocoyer en République dominicaine pour 17 millions de dollars. 5 fois les dépenses en éducation, professeurs n'ont pas qu'à toucher, n'ont pas qu'à faire augmentation, n'ont pas qu'à nommer, c'est parce que l'argent pays l'a dépensé, l'a gaspillé, l'a grossi poche en pile monde, que c'est monde qui est dans le secteur privé, que c'est monde tout dans le secteur public. On a Joseph Jout qui a metté curseur là sur l'autre gaspillage dans le moment que nous connaissons. Dernier parti rapport sous Petro-Caribéa est disponible. Côté que gagne argument et document, enquête qui montrait qui côté l'argent passé. Et c'est commission qui gagne la donne, représentant trois instances publiques, unité de lutte contre la corruption ILCC, inspection générale finance IGF, et unité centrale renseignement financier et UCREF. Et qui réalisait rapport pendant 2 mois et sous commande exécutif. Là, selon M. Jout, parmi les recommandations qu'il a fait, il a demandé pour l'État renforcer la capacité BMPAD, faire transparence dans le prix produits pétroliers, couper tout intermédiaire dans l'opération acheter gaz, non, et reprendre le contrôle total marché pétrole, là, et spécialement produits tant que gaz propane, approfondir enquête sur tout le monde qui est coupable. Et pour la justice, bail sanction. Et c'est ça, Joseph Jout déclaré, n'attendait pendant que le dossier Petro-Caribéa a dormi dans Tiwa, par aucune diligence gouvernement fait pour gagner la justice qui mettait en mouvement. Le rapport recommande
le renforcement des capacités du BMPAD, la transparence au niveau des prix des produits pétroliers. Les prix des produits pétroliers à l'importation doivent être connus de tous, parce que affaires pétrole, ça, sont chaîne de pertes. Si j'ai besoin d'acheter du riz ou bien poids ou bien l'huile pour moun manger, m'a juste taper ça sur Google, m'a besoin prix du riz, prix poids, et le ça m'a choisi qu'on est qui prix m'a choisi et l'ovine vendre du riz facilement m'ka wè qui bénéfice ou fait. Gaz ça pas comme ça. Son bagage qui extrêmement opaque et c'est pas pour Haïti seulement, li pour tous les pays du monde, sauf que l'autre pays yo, l'état l'ouvre. L'accès par l'État via le ministère de l'Économie et des Finances aux différentes bases de données relatives aux indices utilisés. La suppression des intermédiaires lors des importations. Président Gonjan, Jean Relé, oui, mais ce pourcentage. Parce que ça, l'État a gagné, il n'a pas qu'à acheter directement. Je ne sais pas. Même qu'à acheter directement en tant qu'individu, ça, l'État a gagné, il n'a pas qu'à faire. Le commissaire recommande aussi la reprise totale par l'État haïtien du contrôle de l'importation des produits pétroliers, incluant le propane. Moi, quand je monte là, je suis un petit bonbon, je suis plein. Je songeais que je payais 85 dollars, alors 400 et quelques gouttes. L'autre jour, là, je suis passé, j'étais payé 750 gouttes pour plein. Même petit bonbon. L'augmentation de la capacité de stockage des produits pétroliers, c'est un produit sensible et stratégique. L'approfondissement de l'enquête sur toute autorité compétente au fin de fixer la responsabilité pénale des personnes physiques et morales. Ça, les concernés produits pétroliers. Saluer l'ex-sénateur Ronald Larèche sous Traxa. C'est pas volé, non, le volé, l'agent Petro-Caribé lui-même. Mais c'est un sénateur qui t'a accompagné, l'homme de BMPAD, pour te faire mettre main sur un. Dans vrai volet, l'agent Petro-Caribé. Il y a deux enquêtes là, les soutenir, mal devant le Sénat, parce que je tape travail dans le BMPAD, je fais un petit coup. Mais, je fin kembe, monsieur, bien kembe, parce que l'autre jour, je fais un petit. Parce que je tout le temps sur les réseaux sociaux, je fais un volet, je fais un zam dans le pied, la police vient de zam dans le pied, je fais un tout le temps. Et puis, monsieur dit, par contre, kembe volet dans le pied. Et dans le main, kembe volet. Zam dans le pied, l'idée. Il n'y a pas de venir dans le monde, ça veut dire pas responsable. Alors, c'est pour dire que dans quel état que un monde qui est audacieux dans la vie, et malheureusement, nous chita, nous avons baillé au tété, nous avons caressé, mais voler, c'est voler. Moi-même, je n'étais qu'un bessa dans le monde. Malheureusement, pour moi, M. Koury mourit sans ne pas répondre sur l'agent Petro-Caribé. Sans ne pas répondre. Nous avons tant de bons cités, non? Je ne peux pas citer non parce que je ne peux pas détourner la route, le mettre à l'énet pour ne pas jamais tourner encore dans le pays d'Haïti. Voilà, c'est le premier ministre du gouvernement de facto à Joseph Jout, dans diverses déclarations qu'il a fait jour et jeudi devant la presse. C'est côté reporter nous, Hervé Noël, est présent pour Radio Kiskeya. La fois premier campé. Question vaudou, la défense environnement, la défense culture populaire. Là. Donc, au monde d'un coup filo, quel que l'on soit, m'ba konnen si te gen problème. M'konnen gen pile et division dans secteur vaudois. Et hier nous te wè ça tout dans cérémonie, te gen trois et groupes qui te vini, te gen te prend gen un qui était plus dominant que l'autre. Nous te wè ça. Mais quel que soit ça ta gen, moi crois que Philo mérite hommage tout secteur vaudois net. Li ta gen doit te gen préférence li. Li ta gen doit gen moun li gen plus sympathie pour yo que l'autre. Mais travail li fait de profiter à tout secteur vaudois. Donc, je crois que vous avez un philo éternel reconnaissance. N'a pas venu à ce journal là. Direction Jacques Mel. Nous pouvons parler de élèves lycée dans Jacques Mel. Nous l'autre fois encore tenant la rue pour exiger pour un professeur qui a fait coup pour dans sa classe. Élève ça yo te marché la guerre encore diverses écoles privées qui t'a fonctionné, bon, vous voyez, wash, nous l'autre pas, enseignant, yo, t'es dans la rue tout, et pour continuer à demander l'État, et puis bon conditions de travail, avec la vie meilleure. Je dis mon autre pour plus de détails.
Élève lycée de Chinard, c'est la même troisième journée de manifestation, le jour de mercredi 19 août 2020, pour continuer à demander présence des professeurs en grève dans la salle de classe. Élève ça, qui m'a fait un coup compte, et marché la guerre plusieurs écoles privées avec fracas, côté de l'empire, coup de roi sous plusieurs établissements scolaires. Une situation qui est la cause, mais agent maintien d'audio, qui est gaz lacrymogène, pour te disperser pour là, qui est en retour, et la vie, qui est en pile, coup de roi sous force de l'audio, ça qui est la cause, la police même, qui est en pile, coup de bateau, et même, je vais voir sur. Pendant les vieux tapent manifesté le mercredi 19 août 2021, syndicat enseignant continue tout prendre béton pour demander une salvation nationale, mais en condition de travail avec un bon jeune salaire. Professeur, on fait connaître, c'est irresponsabilité l'État haïtien qui fait système éducatif là, dans l'État qui est lié, aujourd'hui, on a précisé, ce n'est pas toute l'école privée qui va trouver travail dans la métropole sud-est. En tout cas, manifestation et les vieux avec enseignant, la guerre en pile qui a sauté. Jamel, j'ai dit mon nous. Nous pour aller dans Sud, coalition département Sud, l'autorité d'État haïtien qui joint un fort bureau central là, saisi matériel, plusieurs tenanciers dans l'activité bolette, ça passait hier, qui pas voulu respecter engagement envers l'État, selon coordonnateur l'autorité d'État haïtien dans Sud, là, Jamson Saint-Hilaire. Opération ça fait dans l'idée d'après ça dit pour mettre l'ordre dans secteur A et puis pour forcer tenanciers yo payer dette yo gagner envers l'État. Pierre Richard Saturne pour plus de détails. Jameson Saint-Hilaire, coordonnateur l'autre l'État haïtien, fait connaître dans l'idée pour mettre l'ordre dans une série de rives qu'a fait dans le domaine nan, et puis forcer tenanciers au pays l'État haïtien. Coordonnateur l'autre l'État haïtien dénonce tout quelques tenanciers dit qui décidaient à le chercher backup la justice au lieu de payer dette yo. Conseil des tenanciers dans yo prend plaisir. Fait tirer matin, fait tirer après-midi, après masser pour pas payer l'État. Si tout pour ancien parlementaire qui dans le domaine hasard qui dans le département. C'est plus qu'aucun n'agrait là. Ça fait deux ans, Charlie Toubolet qui sont anciens parlementaires, pas de payer l'État. Et le connaît que l'argent l'État va doué de yo. Dans le bureau plutôt à chercher, à le prendre la justice. Sous Bopal, superviseur national, l'autre l'État haïtien, Jean-Marie Patrick Pierre, lui, dit les constater qu'il y a un pile faiblesse dans la coordination départementale là, à cause de la justice pas bayo bakop pour faire travail là. Li souhaite autorité judiciaire yo aider yo. Coordination yo manque bakop, la justice, et que Napto font appel à trois commissaires du gouvernement, l'autre monde qui n'a entité, justice doyen, puis yo, d'accord. Puis c'est comme ça yo qui fait développement fait, mais qui paye tout. Certaines fois nous sentis, et la justice a penché pour le territoire étoile, hein, je vendais que t'as dû, hein, je vendais yo. Faut faire bagay là, j'en veux faire. Dans l'idée pour capable gain contrôle sur activité jouet à Zana département, coordonnateur régional, l'autre l'État ici en sud, Pierre Jeannot Bataille, mandé autorité ou la direction générale impôt DGI, suspendre délivrer patente à monde qui pague autorisation l'autre l'État haïtien pour jouer à ZA dans la région. Depuis Vélocaï, Pierre Charles Satsun pour Radio Kiskeya. Nous parlons dans le nord-est, monde qui habitué à fréquenter route Valière Montbécoche a dénoncé mauvais qualité circulation dans zone ça, route là pas bon du tout. Et yon moun et dans zone nan ki prend la parole dans notre communauté a, c'est Dorestan Emmanuel qui mande ministère travaux publics pour yo faire route là asphalter pour moun yo capable mener activité yo sans problème. Benoît Lafontaine pour plus de détails. Ce gros plein qui toujours gagné depuis la pluie tombée sous passement tronc route Valière Montbécochian côté exécutif là te faire une visite officielle sous passement tronc route Sayo. Cependant Dorestan Emmanuel leader cap vive d'habitation pour ça une habitation qui dépend de première section communale Valière qui toujours a plaidoyer pour que autorité au ta fait un travail qui solide sous passement tronc route là le fait qu'on est tapis bon. Plus on a fait canalisation, mettez qui vête, côté qui mettez qui vête, et fait pont, côté qui mettez pour le dire, priorité, pour priorité paillot, c'est asphalter, pèsement, tronçon route là, pour permettre qu'il tue à cap gâté, pour permettre machine capable de venir chercher, pour yo. Mais vite autant de Emmanuel Dorestan, cap expliqué, le micro, là, de ce qu'il y a. Machine va traverser, mais moto va traverser, et que, si il y a la pluie là, le moto va marcher, non, parce qu'il est tellement fait la boue, pas grand qui puisse essayer. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est priorité pour? Qui, Romain? Qui est-ce qui priorité pour ta faire de Priorité pour ta gagner, c'est asphalter route là normalement pour toute machine voyage normale et puis pour que nous capons
gâté ou capable de jouer une chance pour nous transporter. Un temps important pour le ministère Travaux publics, ta conjugué et folle, pour ta fin faire reste travailler au soupressement pour son route là, qui trouvait une situation critique de façon pour Pita Papitrice, comme une Vallière, Nord-Est, Benoît, La Fontaine, pour Radio Kiskeya. Et puis, après tout, Jacques Mel, côté police judiciaire, Jacques Mel te présenté James Caleb Civil, alias Jeff, comme principal assassin, Madame Amine Brun-Zeni, et qui était jeune mourir la Kaili 30 juillet qui s'est passé là. C'est ça, nos conférences pour la presse, porte-parole, la police dans le sud-est, Gary Victor, et faire connaître, dit la police qui a mis trois autres mondes. Après enquête, il y a deux autres, la police continue à chercher dans le cadre de crime. Ça, je dis mon autre pour plus de détails. Civil James Caleb, 27 ans, alias Jeff, de pas Eddie Junior, 24 ans, Charles Grégory, 29 ans, c'est trois individus là. Service police judiciaire, dans Jacmel, qui met définitivement dans cette enquête qui a mené sur le mort Amine Roland Zénith, de jeune, mort étouffé, la Cadillon 30 pour l'ouvrir, 31 juillet 2020, à Avenue la Liberté, en conférence pour la presse, mardi 18 juillet. 18 août 2021, porte-parole adjoint police nationale Gary Victor fait connaître la police t'a arrêté de pas Eddie Junior, un employé au AVCT avec un iPhone 6, Charles Grégory avec un LG blanc qui était deux matériels de service de fin à Minoro dans Zénith. C'est pendant le cadre de conférence pour la presse, c'est là, porte-parole adjoint la police nationale là, t'a présenté civil James Caleb alias Jeff comme principal monde qui t'a connu comme criminel organisé. En côté, le micro-journaliste. Bonjour, il va rapport et dialogue, même avec et Balthazar. Et Balthazar, votre travail déjà, il dit comme ça à Jeff, mon gon, comme moi, Kamada Ola, est-ce qu'on a aidé mon bon bon? Allez vraiment, oui, on a apparaît nous en dedans, on a nous contre avec lui, on a nous arrivé la faible, nous arrivé menacé, on a nous fait menacer, on a là nous à la gueule pour le poste, sauf à ça, hypocrisie de tirer le tobé. Balthazar qui était bail passage. Et qui t'a travaillé en dedans. Nous combien de jours soit ça? Nous toi. En bas là, dans le Gadavia, il y a Jocelyn, il y a Gogori, il y a Chilov, il y a Junior. Nous ne savons pas. Et le premier téléphone, c'est ton LG. LG a eu un débat avec mon Kébel pour sexe. Après ça, Gogori a dit le dernier téléphone, il est arrivé à faire comme s'il prenait un plan. Après ça, Junior, je devine vendre Junior téléphone. Non, même de l'école tout petit dans l'école là. La police nationale a cherché deux autres individus, Balthazar, avec deux love ainsi connus. N'a pas rappelé funérailles Madame Roland Zeni, 82 l'année, qui est sortie dans la salle polyvalente de Saint-Jacques, là, samedi qui s'est passé, hein, en présence de petites garçons, petites filles, famille avec des amis. Jacmel, j'ai dit mon ose, qu'est-ce qu'il y a? Et puis dans le Nord-Est, l'association Femmes Wanamet, Accent développement communautaire t'est organisé vendredi passé à une journée réflexion thème non c'est bay pays a une autre constitution avant élection un thème qui à la mode sous bandeau dans plusieurs communes dans pays a objectif là d'après ça dit c'est brasser l'idée sous constitution 87 là pendant journée réflexion ça et France l'aventure une monde qui était sous panel là t'est parlé de nécessité qui gagnait pour changer constitution côté selon lui-même. Et c'est une source d'instabilité. Jean que ça te dit déjà. Samson Charles, Amazon pour plus de détails. C'est en bas thème doté pays a de l'autre constitution avant élection AFO, Association des femmes de Wanamet, accent développement communautaire, organisé en journée réflexion, journée vendredi 14 d'août 2021, dans Wanamet, France l'aventure, une panélisio, parler des nécessités qui gagnent journée aujourd'hui, pour travailler dans parfaite collaboration avec l'autre organisation doté pays, c'est le fait qu'on est, qui c'est une source d'instabilité dans pays a. Et c'est un atelier qu'a fait là, parce que aujourd'hui, constitution, c'est une gros question qui n'a pas eu à qui un pile monde a posé question pour dire qui solution a porté. Je dis, on va parler de l'impasse qu'elle issue, je parle de la solution qu'elle a venir. Maintenant, pour nous, j'ai un avenir vraiment dans le pays, faut qu'avenir ça passe à travers. Constitution pays. Faut qu'on dit dans l'atelier réflexion si là sur constitution pays, AFO accédé que t'es organisé dans Wanamet, organisation 5 sections communales, t'es répondre présent. Côté l'idée au département sous affaire changer constitution 1987 pays d'Haïti à Sepson Charles Amazon depuis Wanamet pour Radio Kiss. Merci, n'a pas retourné dans Port-au-Prince, conseiller politique, président Jovenel Moïse, monsieur Patrick Crispin.
qui dit li salue publication dernier tranche rapport et Petro-Caribéa, la Cour supérieure des comptes remet par dernier reste et Sénat, même si li dit gen un pile dossier et qui était dans deux premiers rapports la Cour des comptes nomme météo dans dernier partie ça selon lui-même et selon Patrick Crispin rapport a biaisé et depuis dans base li avec un pile erreur matériel monsieur Crispin dit espérer la justice a servi à li et dans cadre enquête la mené sous gestion programme Petro-Caribéa mais cependant dans interview par radio Kiskeya journée jodia monsieur Crispin dénoncé à la fois féliciter la Cour puis dénoncer décision yo prend pour mettre non président dans dernier partie rapport par pour qui ça et président pas rien pour loin à question accusé là selon monsieur Crispin décision ça fait partie n'a cité dans laboratoire qui gagne dans pays qui bataille contre Jovenel Moïse n'a attendez Patrick Crispin conseiller président Jovenel Moïse dans micro Vinaire Joseph Couture des comptes, je produis pour des tranches de rapport, une deuxième tranche de rapport, une troisième tranche de rapport, bien que dans pile monde, lorsque vous regardez troisième tranche de rapport, vous êtes capable de voir qu'ils ont repris, qu'ils ont réédité deux, ni premier rapport, ni deuxième rapport que vous avez présenté. Toutefois, nous saluons la diligence que vous faites en dépit de difficultés que vous avez rencontrées pour arriver à produire rapport ça, que dans le cadre de procès Petro-Caribéa, que rapport ça a capable de servir abolition au niveau de la justice qui doit agir dans toute indépendance, dans toute liberté, dans toute autonomie, dans le cadre de procès Petro-Caribéa. Première lecture faire des rapports, c'est qu'on dit que son rapport qui est une bonne reprise de premier et deuxième rapport qui est sorti déjà. Non, qu'est-ce que fait un rappel de ça? Si vous-même vous prenez un rapport au Tagadil, ou après que dans le tableau, il y a un pile chiffre qui n'est pas concordant dans le tableau, il y a des erreurs factuelles qui sont aussi bien dans le troisième test rapport par rapport à des côtés que je dis. Dans le cas qu'on lycée qui t'a construit dans le tonton, si moi je pas fait un défaut, il y a un pour notre compagnie excellente qui a un contrat qui a construit, et puis dans le deuxième côté, il y a un autre compagnie. Bref, ce qui est fondamental et important, c'est que nous tirer de rapport tout aussi bien, troisième tranche rapport à l'IPSE, biais ça, son biais cognitif et rapport à bon passe la donne. Passe là, c'est biais d'attribution fondamentale. Et parce que, en d'un rapport à, encore, il y a cité non, chef de l'État PIA, président Jovenel Moïse, et d'un rapport à ça, étonné plus d'un qui connaît comment il produit un rapport, comment il élabore un rapport, comment ils ont audit fait, dans un premier temps, ils ont fait ça déjà. Comment exécutif là a préparé pour attaquer rapport? Justement. Bon, non, exécutif là, pas gagné pour que l'a attaqué rapport, nous just dit en deux rapports, gagné d'un billet dans rapport. Pas oublié, président Jovenel Moïse, courait dans la loi, ils sont légalistes, ils sont institutionnalistes, ils croient dans l'institution, ils croient dans la loi, et que institution, doit faire travail, ils ont toujours souhaité que toute institution publique, toute institution d'État, fait travail sans que par bon lueur de persécution politique de X ou de Y à travers travail que l'institution a pu faire. On parle là, Patrick Crispin, de la Cour des comptes qui s'est bras technique, c'est dans la République là. Il y a deux premiers rapports qui étaient faits déjà, rapport Yuri, rapport Beauplan, et nous t'es assimilé là avec des rapports politiques. Je dis, c'est la Cour des comptes qui produit. Pas assimilé le rapport commission anticorruption qui fait comme rapport politique. Donc, c'est doyo comme commission anticorruption sénatoriale pour mener enquête sur l'argent qui a dépassé dans le pays. Son droit que vous avez. Mais pendant qu'on a un droit que pour faire là, nous avons dénoncé qu'il y a des bagages qui t'ont dit qu'il y a un rapport yo, et que qui ont un allure politique qui n'a pas été vérité là-dedans. Donc, nous pour la vérité. Donc, c'est pour la vérité établie. Donc, si des monde reflète la réalité, la vérité. Nous disons, grâce pour vous, on travaille dans une grosse station de radio qui a plus de respect dans le pays, c'est Radio Kiskeya, qui a des mondes très formés et plus gauvés d'être journalistes dans le pays, c'est dans Radio Kiskeya, on a parlé de l'aîné, nous, dans le métier, tout aussi bien que Liliane Pierre-Paul, au compte, ça veut dire l'aîné, qu'on billet, non, billet cognitif, qu'on billet cognitif, écoutez, pas fait ça. Pédagogie métier à quoi faire, pas dit quoi parler pour auditeur. C'est pas auditeur qui a posé une question. C'est ou
même qui a posé une question et que m'a répondre. Yo fait un travail, nous constater par le fait que yo cité nommément non président Jovenel Moïse en dans la pour ça, nous dit qu'il y a un biais et nous dit ça yo c'est ça basse. Basse c'est un biais d'attribution fondamentale. Tout en même temps que nous reconnaître travail que yo fait là. Mais yo fait un travail, nous constater par le fait que yo cité nommément non président Jovenel Moïse en dans la pour ça, nous dit qu'il y a un biais. Maintenant, ou même comme vous n'avez, ou même comme vous, ou même, est-ce que le président Jovenel Moïse l'a bien pour nous, à ça que reprocher lui? Jusque là, reproche que le taka fait lui, reproche pas fondé. Donc, c'est ça fait que nous dit qu'on biais cognitif, nous dit qu'on biais, qu'on biais d'attribution fondamentale. Voilà, donc excusez-nous pour la conversation finie, mal coupée. Et M. Patrick Crispin, qui est un conseiller président Jovenel Moïse dans le micro Vilner Joseph, sous rapport à la Cour supérieure des comptes. Ancien président Sénat Yuri Latortue, nous connaissons qui joue dans la question de ces Petro-Caribéa, félicite même la Cour supérieure des comptes, malgré toutes difficultés qui arrivaient pour du dernier parti rapport, plus que 1000 pages, selon M. Latortue. Dans le rapport la Cour enquêté sur plus projet contrairement à mission li te bay tèt li dans interview ba radio Kiskeya jeudi jodia c'est la Tibonite là annoncé gen travail qui pral fait et tout et rapport a et fait sous façon population li même gen façon li pral appréhender dernier parti rapport pour capable bien pénétrer bien comprendre qui qualité gagote qui fait avec l'agent coopération vénézuélienne dans le cadre Petro-Caribéen. D'après parlementaire, la justice doit faire travail li tout et pour moun qui gen non cité dans rapport pour yo répondre et pour une sanction la loi prévoit dans cas ça. Et n'attendez sénateur Yuri Latortue toujours dans micro Vilner Joseph. Son rapport, tout le monde dit, c'est dernier tranche. Il a couvert environ 22%. Mais pourtant, son rapport qui couvrit 36% de montant. Puisque Grand Pile Corp, comme ça, c'est des désaffectations. Il n'y a pas de tranche dans deux premiers rapports. C'est dans le troisième rapport qui vient de faire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller au-delà du travail de terrain pour le défaire? Oui, il aller au-delà, puisque le montant, il a dit, après, qui était 22%, il est arrivé à 36% de montant total Petro-Caribéa. Et dans le dernier rapport là, c'est 51% de projets que vous traitez. Alors que dans le deuxième rapport là, vous avez traité 27,3% de projets. Dans le premier rapport là, vous avez traité 20,8% de projets. Dans le rapport ça, vous avez appelé l'institution. Les premières fois que vous traitez, la primature 17 millions de dollars, dîner pas 2 millions, secrétaire d'État alphabétisation 6 millions de dollars, ISPAN 1 million de dollars, Semana 1 million, SMCRS 10 millions, EDA 57 millions 730, TNE 78 millions 400 000, et affaires sociales, 7 millions de dollars. Et il prend reste, comme qui était dans le ministère des Travaux publics, 168 millions de contraités, tourisme, 12 millions, agriculture, 30 millions, éducation nationale, 38 millions, environnement, c'est première fois, au traité, 5 millions, la justice, c'est 36 millions, intérieur, 23 millions, c'est première fois, au traité, MSPP, 63 millions pour l'achat des médicaments. Université d'État d'Haïti, 8 millions. ICLBP a été en première partie, dans la deuxième rapport là, il a traité pour 26 millions de dollars. Si vous présentez, il a sorti de quelle période à quelle période? Il a sorti de 2008 à 2016. Et c'est peut-être ça, dans le cadre que vous baillez, ministère yo et institution, yo, nous voyons que la période là, il varie, il n'est pas concentré. En 2014, 2015, 2016, l'allée de 2008 à 2016. Ou après TPTC, par exemple, les parties de première résolution qui dégagent 80 millions de dollars achat d'équipement pour CNE, eh bien, jusqu'à en 2014, 2015, dans l'autre résolution, ils ont confirmé chaque tête d'Inassina, bon, 20 millions de dollars de détournement de corps qui étaient dû à l'équipement, par l'équipement qu'à l'autre côté. La recommandation de la Cour, comment vous voyez? Recommandation de la Cour, il y a les sous différents aspects. D'ailleurs, il faut voir au niveau de la Cour la question des irrégularités. Qui ça, la Cour l'a décelé? La Cour a gagné environ 10 grandes irrégularités que le décelé. L'y aller sur, premièrement, des projets engagés sans une évaluation de besoin et aucun respect du principe de la transparence et de la concurrence, pas d'appel d'offres. Les contrats conclus
en situation d'urgence sans justification pertinente, dépenses non prévues dans le contrat ou bien il n'y avait aucun contrat qui était prévu pour le projet, détournement de fonds, pas de pièces justificatifs, pas de documents contractuels, pas de traçabilité, favoritisme, lacunes dans l'exécution des projets. Voilà en gros. Ça la cour dit. La cour dit que pour moun qui t'apprend comme ça, yo, pour ta faire moun yo mettre comme. Parce que là tout, recommandation la cour a pas annulé poursuite judiciaire. Il y a deux bagailles. La cour pas fait enquête sous corruption. La cour, au niveau de cour là, c'est un tribunal administratif, lui-même, pour lui, la prendre deux arrêts. Ou bien un arrêt de débat. Débat, en latin, DBO, DBS, DBR, ça dit, ou doué l'État, faut remettre comme là. Ou bien un arrêt de quitu, ça dit, ou pas doué l'État. La cour, lui-même, là, lui-même, de remettre comme là, avec monde qui, lui-même, doit dépendre de lui, administrateur, comptable, directeur général. Là, l'applicable, un arrêt de débat pour remettre comme là. Mais, pour monde qui concerne ministre, premier ministre, ça, c'est parlement qui doit statuer sur eux. Cependant, sous question corruption et par la cour qui a fait enquête ça, ce sont les tribunaux de droit commun. Après travail la cour là, puisque il y a un arrêt de débat, il y a un arrêt de quitus pour le rendre, travail là beaucoup fini pour la cour. Non, travail là beaucoup fini pour la cour. Premièrement, on travaille qu'on a essayé de faire, prendre trois rapports, compiler pour un seul rapport. Mais la cour lui-même, concernant les comptables, les administrateurs, les directeurs généraux, il y a bien pour rendre arrêt. Voilà, sénateur Youri Latortue, sous dernier partie rapport, la Cour supérieure des comptes publié. Il a répondu à une question Vilner Joseph. Concernant corruption sous plan international, qui positionne les États-Unis? Il a parlé de dossier Liban. Selon un responsable américain dans la diplomatie américaine, dans Liban plonge net, dérivé dans le fond net. Ça a touché le fond. Et selon responsable ça, Liban doit faire réforme. Qui doit faire selon Washington. Communauté internationale là pas financer encore dirigeants libanais qui se poche et yo privilégié pour yo enrichir tête sous de peuple là yo mépriser volonté populaire libanais. D'après ça yon haut responsable dans diplomatie américaine nan déclaré jodi a concernant Liban. Li fait connait Liban li rivé dans fond en bas net et li doit engager de réformes de gros réformes. Après explosion ça qui fait 4 d'août côté gros paquet monde qui mouri, c'est David Hale qui parlait comme ça, qui sous-secrétaire d'état dans département d'état. Il fait déclaration ça une semaine après le sorti Beyrouth, il t'al visiter capitale libanaise après catastrophe là et qui détruit gros bon parti là qui détruit il y a 2 semaines explosion était la cause 2750 moun 2750 tonnes nitrate ammonium et explosé dans port Beyrouth là. Catastrophe ça la cause 172 moun mouri, 6000 moun blessé, 300000 moun lagué sans côté priorité. Mettez tout en crise économique sans pareil qui s'emboute et qui depuis plusieurs mois mettez peuple en colère et contre élite politique libanaise. Et libanais yo, yo wè nan dirijan yo de moun qui met un système pour piller pays pendant que y a ignoré revendication populaire yo. Selon sa responsable américain David Hale déclaré. Il dit époque ça, il pas à la mode encore. Pas gain l'argent pour gaspiller, pour n'a bay moun ap mette nan poche yo. Y arrivé en bas net, un jour ou bien un l'autre, mais pense dirigeant ça yo, yo pral réaliser li là li temps que bagay ça yo changer. C'est ça responsable diplomatie américaine nan pour Proche-Orient déclaré. Il dit si yo pas changer, et bien moi certain que opinion publique qui donc peuple libanais a mette pression sur yo d'après ça le rapporteur pour dit pendant une téléconférence et côté il t'a parlé de nécessité pour mettre en place réforme économique ak budgétaire pour mettre point final dans corruption ça qui tourne une maladie sans remède dans pays Liban. Explosion port d'après ça responsable américain rapporteur pour dit c'est symptôme maladie ça qui montre que problème qui gagne dans pays Liban yo, yo pi plis encore nous pas capable résoudre problème liban de l'extérieur nous-mêmes les dirigeants libanais yo doivent porter preuve de volonté politique yo gagné pour changer pays yo et yo doivent démontrer engagement yo gagné pour faire c'est ça qui essentiel ça me te pour me dire après voyage moi dans pays Liban selon sous-secrétaire d'état David Hale qui t'a parlé
Je ne sais pas si David Elsa n'a pas venu ici dernièrement. Oui, pourquoi je ne suis pas trop peur. Même David Elsa, c'est lui-même qui fait connaître Liban, l'hiver bal touche fond, il doit réformer tant que tu as baillé, dirigeant ça, l'argent pour enrichir sous deux peuples, il finit. Ça veut dire l'argent coopération internationale. Tranche journal.